Salut et bienvenue pour cette game du tournoi World Vaccine Race sur la carte Rayet Metal, et on est sur la grande finale qui va opposer Gros Matou et Psimon contre Pancho et Nubix, et je suis accompagné de Petit Teuteux. Bonjour. Avec sa voix entraînante. Et c'est parti. Alors, je mets pause. Hop. Il y a Petit Teuteux qui m'attend à 5 secondes. Je mets l'affichage plus grand et je vais faire le décompte. Il faut savoir aussi pour cette partie que, vu que la Pancho et Nubix ont gagné toutes les parties du winner bracket, ils partent avec un point d'avance. Maintenant, ça c'est dit. Hop, brouillard de guerre, on enlève. J'enlève la pause. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est bien synchro. Du coup, pas présenter les commandements lors de la pause, c'est pas grave. Je te laisse faire la présentation des alliés, pas forcément des commandants, on fera la description quand ils auront choisi. Donc les trois étoiles, c'est Nubix qui a pris américain et qui est accompagné de Pancho en Brit. Et voilà. Nickel. Ils sont sur Rally Metal. Une map de COH 1 qui a été un petit peu modifiée d'ailleurs pour COH 2 pour correspondre avec les nouveaux types de ressources. On a aussi du coup de l'autre côté Honor, Psimon en Wehrmacht et Gros Marteau en OKV. Ça commence à mettre des petits barbelés. Moi, c'est ma spécialité, hein. Généralement, je mets des barbelés et j'arrive toujours à me coincer entre le barbelé et l'obstacle. Du coup, je fais des mineurs. Voilà, je suis obligé de faire des mineurs dès le début. Ah, et je vois qu'il fait aussi le petit sac de sable. Le petit barbelé à l'entrée de la maison. Ouais, pour éviter à Romatou de profiter de la maison. Enfin, il me semble que bien qu'il peut rentrer, mais il peut pas sortir. Hein. Je crois que c'est ça qui permet. Hein. Non, il peut pas rentrer. Ah bon ? Enfin, le barbelé au KW, tu peux pas rentrer, en tout cas. D'accord. Je crois pas que tu puisses rentrer. Non. Bon, on va voir. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il tente le diable. Du coup, bon, Matou qui arrive en force sur le fuel Nubix. Effectivement, Nubix, j'ai l'impression qu'il avait cliqué pour rentrer à la maison, ça a fait le tour, donc effectivement, il doit pas pouvoir rentrer. Ouais. Ou à moins que ça soit le barbelé mis en, tu sais, en triangle, qui permet de faire ça, mais je sais pas si ça change quelque chose. Ou alors ils ont modifié quelque chose, peut-être, hein, je sais pas. Bah, j'ai le souvenir que ça marche depuis longtemps. Je savais qu'il y avait des types de barbelés qui permettaient, tu le mettais en triangle et tu pouvais rentrer mais tu pouvais pas sortir. Ce qui était la petite technique. Et du coup, Psimon qui a backé une section de qui back ses sections avec peu de vie. Il a réussi à flank avec la MG, à flank la Vickers de Pancho. Exactement. MG qui se replie. Et on a tout, perd déjà une section de Vols à droite. Ah ouais? J'ai pas vu. Ouais. Section de Volsk sur le bac. Ok. Bien repéré. Et du coup, Bix qui push sur Psimon vu que on m'a tout à tout bac. Ouais. Il se retrouve à 2v1. Universel Carrier. Qui va peut-être se faire le repli. Ah ouais? Je sais pas, je pense qu'il va peut-être pas tenter le poursuivre, il sait pas trop ce qu'il y a derrière. Très fort, hein, l'Universal Carrier sur cette map avec la petite MG. Surtout, la compétence de tir pour suppression, c'est 10 de munitions, c'est pas grand-chose. Hein.
Ah oui, c'est assez efficace, c'est ça. Les éclaireurs et... C'est moins que les échelons américains et ça fonctionne mieux. C'est une mitrailleuse et c'est des carabines. Du coup, Gros Matou, il a pris le commandant du Tigre avec les Panzer fusiliers. Ouais, effectivement. Panzer fusilier choisi, Tiger, STG-44. Ils ont pris les alliés ont pris une petite avance sur les VP aussi. Sur les VP et sur les sections. Une section qui part avec un peu de QB. Alors Nubix, on est parti sur quoi? Il a commencé à faire un attack un peu ou pas? Il a fait ambulance, il l'a mis derrière la maison en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est pratique du coup le barbelé qu'il a mis, parce qu'il peut, il sait qu'il peut ouais, pas rentrer de côté. Il peut profiter de la maison pleinement, hein. Et puis ressortir pour ce heal. Et c'est... Il est bien à la maison là. Surtout que là il peut tirer sur tout quoi. Il y a assez de fenêtres pour tout le monde. En mode confinement. Pancho qui reprend au fioul en haut. Ouais, ça fait les 3 étoiles, 3 VP. Il va pouvoir mettre. Non, sa Vicar, ça n'a pas pu rentrer dans la maison. Je sais pas si elle va faire le taf. Non, il va vouloir se replier. Peut-être ou se mettre directement. Il va peut-être juste reculer. Cover. Décide de partir. Ah, du coup, la pharma elle est très fragile. Ouais, s'il se replie jamais en fait. Effectivement. Ouais, ça permet de maintenir la pression là. Il y a une section qui est restée. Un chou qui aide un peu avec sa panne. En parlant de Pancho, il construit un AEC. Yes. AEC. Donc on a du capitaine côté Nubix, côté Psimon. Je sais pas si on a Tech dans la base. Oui, T2, mais pas encore de construction. Le soin qui avait été fait pour Gros Matou à la base. Ouais, et Nubix qui a pris son commandant. Commandant parachuté. Yes. Airborne. Ouais, mais c'est cette brenne, elle fait très très mal. Avec le capitaine Winters. Et là, on a un magnifique blob de Nubibix dans le bac de Psymon. On succule le blob. Ça nous fait très plaisir. Ah, il a pas. Il a pas essayé de se faire le fusiller. Ah, il était pour le pour l'autre groupe qui se replie là. L'AMG. D'ailleurs, l'AMG va y passer à mon avis. Ouais, effectivement. Ouais, elle y passe. Donc, du coup, ouais. C'est une MG, MG42 récupérée par un américain, ça fait mal. Hein. Ouais, surtout qu'il a positionné directement là, il va devoir encore se replier. Gros Matou va devoir se replier. Et Gros Matou qui va faire un Raketen. Hein. D'ailleurs, le tir de Raketen transperce la brenne. Il a voulu tenter le. Oh, et le Raketen du coup qui est récupéré en même temps. Du coup, Nomibix qui se met bien dans cette game. Ouais, une MG42, un Raketen. Surtout que l'ambulance, je suis même pas sûr qu'elle ait été spotée. Hein. Si on met le brouillard de guerre, pas du tout. Non, il la voit pas, ouais, effectivement. Très bien joué ce petit ambulance. Le premier repli de Nubix. Ah bah là. Le petit avion qui passe, c'est pourquoi parachuter quoi? Parachutiste. Des parachutistes, justement. Ouais, là, il a pas besoin de parachuter des AT ni d'MG. Ça commence, c'est M1919. Ouais. Les M1919, je trouve que c'est. Ça fait des dégâts que de loin en fait, je trouve. Je suis pas convaincu par leur efficacité. Après, je les mets quand même. Tu veux dire efficacité par rapport aux barres, comparaison? Bah, je les trouve un peu plus utiles les barres parce que tu peux en mettre deux. Tu peux un peu plus jouer mobilité. Surtout que c'est là, bien. Les M1919, ils peuvent tirer en déplacement à partir d'un. C'est pas dès le début, c'est à partir d'un certain grade? Je sais pas, mais les M1919, c'est moins précis. Hein. C'est beaucoup moins précis que les barres en déplacement.
du coup la smoke qui est sur Gromato qui smoke la Bren qui suppresse ses sections. Ouais. Et du coup niveau ressources, bah plus 39 pour les alliés et plus 13 pour l'axe. Hein. Et niveau pop cap, avantage aux alliés. Ouais, surtout que là, les alliés ont pratiquement toute la carte, hein. Ils ont les 3 VP. Ouais. Et là, s'ils gardent ça quelques minutes de plus, hein, ça va obliger l'axe à faire des sacrifices pour pouvoir récupérer des VP. Hein. Ouais. Et là, Universal Carrier qui enfin est détruit. Ils en sont. C'est bon. Nubivix qui a sorti le Major. Et Pancho qui a choisi son commandant. Du coup, commandant en première ligne. D'ailleurs, du j'ai coup, pas fait gaffe, j'avais remis mon nom au jeu en anglais, j'avais pas fait attention d'ailleurs. Je repasserai en français hein, tout à l'heure. T'as vu maintenant, il sort plus d'officier le planeur. Plus 500 de manpo, il coûte 200 et il sort. Il permet de sortir des. Comment ça s'appelle? Des commandos. Commando. Du coup, il l'a mis derrière les lignes. Ah oui, commando MGAT. Hein. Ouais. Donc là, c'est la totale, les points de repli. Ouais. C'est un peu comme ils ont refait un peu comme dans CWH, hein, finalement, avec le. Il me semble que l'avion, ouais. Tu pouvais faire des petits chars aussi, des tout petits chars. Oui, les. Je sais pas comment ça s'appelle, les T-17, je crois. Non, genre. Ouais. Et du coup, ouais, il fait des commandos. Et du coup, ouais. Niveau tech, les alliés qui sont bien au-dessus, hein. Psymon il a même pas passé sa phase de bataille 2. Nubibix il peut bientôt faire un Sherman. Ouais. Et une chou en chromol. Bah là c'est vrai que niveau ressources, hein, ils les ont pris à la gorge. Ils les ont bien étouffés. Hein. Il va reprendre le mid à l'aide du snipe. Du coup ouais, Nubibix qui a fait sa pharma juste à droite. Il a mis son point de repli. Ça va lui permettre. Une constante armée. Ouais, il va pouvoir se replier quand il veut. Comme il veut. Section là, le seul. La grenade qui est partie. Un peu trop tard. Du coup, ouais, avec l'aide de Gromatou, Simon il arrive à reprendre son side. Peut-être au prix d'une section, je sais pas. Non, ah, ça en est bien sorti. L'essence qui revient à leur main. Aller faire un peu de souffler et permettre de sortir un peu. Même si. Du coup, Simon qui refait une MG. MG, on a aussi le. Ça s'appelle comment? M8. M8-1, je crois, c'est ça Ouais. Le Nubix. Ouais, M8-1. Et un deuxième même. Oh, la MG sur le repli, par contre, là, elle va pas apprécier, là. La Nubix qui est sur le repli. Ouais. Elle va passer sur la route. Ouais, c'est fini. Il va récupérer, je pense, directement. L'américain qui peut tester tous les types d'MG. Passe de la 42 à la 34. Ah, il va peut-être pas la récupérer, pour le coup. Ah non, il va pas récupérer, à mon avis. Sur un petit coup de luck. Il y a les M19-19 qui sont là. Un petit fumier. Mais le tir de suppression pour les paras, c'est avec les M19-19, c'est que sur les paras, ça marche pas sur les fusiliers. Hein. Alors là, je pourrais te dire. Ils vont pouvoir récupérer leur MG. On m'a tout qui a pas encore TK. J'ai senti son le bâtiment. Ouais, je pense qu'il est tellement occupé à renforcer ses troupes et utiliser du manpower que là, pour TK, ça va être compliqué. Hein. Les alliés, ils maintiennent une pression phénoménale. Hein. Le Bibix, il a perdu zéro section, il est juste à côté. Il manque juste un peu de manpower pour renforcer. Il peut aider Pancho quand il veut, quoi. C'est vrai qu'ils ont fait un early game assez satisfaisant. Et le Bubix qui a fait le deuxième à 8-1. Ouais, le pack qui est un peu seul. Ouais, en haut qui de la s'est réfugié.
Ah, il loupe son tir. Et du coup, ouais. Simon qui est devant sa base. Hein. Ah, cartable lancé. Ah, et bon, on va repérer une section de. Diffuse. Il a perdu son sniper, Simon d'ailleurs. Ils ont augmenté la. L'explosion de la gamone. Je ne sais pas du tout. Je sais pas, parce que quand elle a explosé, j'ai l'impression de plus voir un style cartable que gamone. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu. Ah ben voilà, fin du replay. Ouais. C'est la fin du replay. De toute façon, là, c'était compliqué, hein, parce que là, ils avaient. Ouais. Là, c'est. Ils à nouveau. Comet en production. Voilà, Comet en production. Simon avait même pas passé sa phase de bataille. C'était fini. Et puis la troisième étoile qui allait être nouveau récupérée, là, ils passaient déjà sous les. Ils avaient 65 points, donc. Ça va être très compliqué. Sur les VP. Et... Du coup, ouais. Du coup, 2-0. Ouais. 2-0, ouais, effectivement, pour l'équipe de Pancho et Nubix, les Montagnards, vu qu'ils avaient déjà un point d'avance, car ils avaient gagné tous les matchs de du Winner Bracket. Bon, on fait une toute petite pause. On va regarder juste les statistiques avant. On fait une toute petite pause. Et comme ça, je vais repasser mon jeu en français et on se fait la deuxième partie. French. Je vous montre juste les statistiques avant. Juste le premier tournoi de CWH France, c'était la ronde suisse ou... Le premier. Ouais. Faudrait voir dans l'historique qui est sur le forum. Mais il me semble, ouais, ça devait être le premier tournoi organisé. Il y a eu d'autres choses avant organisées, mais c'était pas indiqué sur le forum. Ah, et si on compare la valeur de l'armée entre Nubibix et Gromatou, il y a une nette différence. Nette différence, Nubibix qui a pas mal géré. Pas mal géré son side. Il a réussi à wipe assez rapidement une section de Vols Grenadier et ça lui a permis d'aller aider Pancho et de récupérer le fuel rapidement. Donc. Exactement. Bon, c'est parti. Toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.